Mindy, joyeux anniversaire! Wouhou! Oh, t'as fait ça pour moi? Quelle belle surprise! J'ai quelque chose pour toi! J'espère que ça te plaira! Oh waouh, c'est tellement excitant! J'ai hâte de l'ouvrir! Waouh, tu m'as acheté une montre? C'est incroyable! J'en reviens pas! Tu veux bien m'aider? Voilà! J'en suis pas sûre! Je sais pas si c'est mon style! Eh bien, ça te plaît? Oui, bien sûr! Désolée, Molly! Tu ne l'aimes pas? Elle n'est pas assez rose! Oh, j'y avais pas pensé! J'ai gâché ton anniversaire! Attends un peu, je peux utiliser cette boîte? Regarde ça! Qu'est-ce que tu en penses? C'est mieux, non? C'est mignon et élégant! Waouh, c'est incroyable! T'es une génie de la mode! Oui, je sais! Je pense que tout est prêt! Oh! Hé, Mindy, t'es enfin là? Tu vis vraiment ici? Oh, eh bien, bonjour! Prends place, mets-toi à l'aise! J'espère que tu aimes les chips! Je les adore! Oh, d'accord, merci! J'ai faim! Ça fonctionne pas! Je viens de me faire faire une manucure! Oh, je peux pas les atteindre! Allez, je veux ces chips! C'est tellement frustrant! Ok, voyons! Oh! Mon ongle! Mon bel ongle! Tout est de ta faute! Oh, pas si vite! Détends-toi! Je pense pouvoir y remédier! Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de ces sous-verres! Ou de ces morceaux de carton! Regarde ça! Je vais les poser sur la table! J'aurai besoin de mon pistolet à colle! Je fais passer la colle le long du bord du carton! Je n'ai besoin de faire qu'un seul côté! Ensuite, je le colle à l'autre pièce! Je vais appuyer dessus pour m'assurer qu'il est bien collé! J'ai un autre morceau dans lequel j'ai découpé un cercle! Je ferai de même avec celui-ci! Puis je le colle là! Ensuite, je colle un morceau de carton circulaire sur un carré! Je le mets au milieu! Je vais faire de même de l'autre côté! Je vais maintenant enrouler le carton autour des cercles! J'utiliserai cette bande pour le maintenir en place. Ça semble assez solide. J'ai percé un trou à chaque extrémité. Je vais y enfoncer une brochette en bois. C'est parfait, ça peut aller maintenant dans ma boîte. J'ai fait un trou dans l'un des côtés pour le maintenir. Je vais m'assurer qu'il tourne. Je peux maintenant compléter la boîte. Je mets un disque en carton sur le dessus. Je vais faire deux autres boîtes, mais je n'ai pas fini. Je découpe un morceau de carton et j'y applique de la colle. Ce sera ma base. Je le maintiendrai jusqu'à ce qu'il colle bien. Pouh, je ferai de même de l'autre côté. J'insère ensuite un long morceau de carton dans le fond. Je peux maintenant y attacher mes boîtes. Je les dispose le long de la partie supérieure. Ça a l'air vraiment bien. Nous avons un distributeur de chips. Waouh, ça a l'air bien. Je veux celui-ci. Ça ne fonctionne pas. T'es sérieuse? Oh, laisse-moi te montrer. Tourne le disque. Les chips tomberont dans le gobelet. Oh, c'est vraiment cool. Et je ne me suis pas cassé un ongle. Mes chips préférés. Tout ce travail m'a ouvert l'appétit. Je pense que je mérite une récompense. Ils sont si bons. Tu sais que c'est pas si mal? Non, c'est génial. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, d'accord, je vois. Soyez attentifs, chers élèves. Il s'agit là d'une question délicate. Mais je ne l'expliquerai qu'une fois. D'accord, à vous de jouer. Allez, Mindy. Moi? Laissez-moi réfléchir. La réponse est 4. Parle plus fort. 4. Répète ta réponse. Je ne t'entends pas. Sérieusement, j'ai dit 4. 4, 4. Non, toujours rien. C'est la dernière fois. 4, 4, 4. Non, je ne t'entends pas. Tu parles trop bas. 4. Quoi? Oh, c'est tellement ennuyeux. Désolée, je suis un peu dure d'oreille. Je dois pouvoir faire quelque chose. Attendez, j'ai une idée. Je ferais mieux de me mettre au travail. Je vais fabriquer un cadre à partir d'un morceau de carton. C'est parfait. Je place du plastique blanc en dessous. Puis, je le découpe. Il est temps de le décorer. Ces triangles seront les oreilles. Ensuite, j'ai besoin d'un stylo noir. Je dessine deux yeux. Maintenant, je vais ajouter un joli petit nez. Et puis, des moustaches. Je peux maintenant ajouter quelques petits détails. D'accord, ça devrait suffire. Essayons encore une fois. Il faut que ça marche. Je dessine un 4 sur le plastique. Et par ici, la réponse est 4. Oh, je vois. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Bon travail. Tu as réussi. Bravo. Je suis impressionnée. Ça a pris du temps, mais on a fini par y arriver. Ouf. J'ai vraiment besoin d'une journée au spa. Mais que puis-je faire?
Et regardez ces bijoux. Je me souviens de l'époque où j'avais des diamants et des bracelets en or. Les choses ont vraiment changé. Je pense toujours qu'ils sont très jolis, maman. T'as toujours l'air si glamour. C'est très gentil, ma chérie. Je ferai mieux d'y aller. Au revoir, Grace. Bonne journée, maman. C'est mon jour de chance. Je peux enfin piller la boîte à bijoux de ma mère. Waouh, regardez ça. Je vais ressembler à un mannequin. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Regardez ses boucles d'oreilles et ses bagues. Waouh! Enfin à la maison. J'ai l'impression d'avoir grandi. Maman est déjà à la maison? Oh oh, c'est pas bon! Bonjour Grace, je suis de retour. J'ai hâte de me détendre. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la foire! Je vais avoir beaucoup d'ennuis. Allez, allez! Oh, ça marche pas! Ralentissons les choses. Parfait! Wow! C'est plutôt cool! Je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Maman? You! Ouf, elle ne se rend pas compte que je suis là. Attendez, je peux utiliser ce carton? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je pose ma main dessus. Ensuite, je dessine autour. Je veux le contour de ma main. Ça va être formidable. Maman sera très impressionnée. Ok, c'est la première partie qui est faite. Je vais maintenant découper. Puis, j'y appliquerai de la colle. Je vais en passer sur la paume de la main. Je veux m'assurer qu'il y en ait assez. Ça paraît suffisant. Ensuite, j'y collerai une autre forme de main. Il est maintenant temps de peindre le tout. Cet orange est si brillant. Je l'adore. Je le laisse sécher. Je ferai une base à partir d'un morceau de carton circulaire. Et voici le produit fini. Top là! Oh, j'ai oublié maman. Je ne peux pas traîner toute la journée. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Excusez-moi, je dois passer. Oups, j'ai failli oublier. Avec tout ce travail, je suis affamée. J'ai besoin d'une collation et je sais exactement ce que je veux. Je suis sûre que maman n'y verra pas d'inconvénient. C'est ce que je veux. T'es au régime de toute façon, maman. Ouf, je suis épuisée. Revenons à la normale. Hé, maman! Que se passe-t-il ici? Regarde mes colliers. Comment as-tu pu? Pas de panique, tout est sous contrôle. Qu'est-ce que c'est? C'est pour mes bijoux? C'est une bonne idée. Je vais mettre mes bagues ici. C'est très bien, ça permet de garder les choses bien rangées. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu as beaucoup de talent. Oui, je sais. Je veux dire, c'est vraiment pratique, n'est-ce pas? Tu mérites une récompense. Hein? Comment cela s'est-il produit? C'est très étrange. Merci, maman. J'adore le chocolat. C'est tellement savoureux. Voilà. Merci, chérie. Fais-moi un câlin. Aïe! Ça fait trop mal. Maman! Maman! À l'aide! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ma chérie, ça fait mal? Mon petit cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ne touche pas, maman! Maman va tout soigner. Attends une minute, je crois que j'ai une idée. Je peux prendre ton téléphone? Ah, un pop-it. C'est addictif. Maman, je saigne là. Hé! Quoi? Oh, pardon, j'arrive tout de suite. Elle s'en moque complètement ou quoi? Maman, tu es là? Comment va ma fille préférée? Regarde ce que j'ai. Ça, c'est pour ton coude, tes genoux et bien sûr ta tête. Oh, merci maman! Comme ça, je peux tomber de mon skate sans me faire mal. Tu es toute jolie et en sécurité. Je peux retourner jouer dehors? Bien sûr, vas-y! Ma maman, c'est la meilleure! Oui! Ce livre est très intéressant, mais la lecture est un travail difficile. Ça me donne faim, j'ai besoin de manger. Heureusement, j'étais préparée. Je vais prendre des bonbons. C'est génial! Je suis tellement contente en ce moment. Rien ne peut gâcher ça. Qu'est-ce que tu penses faire? Mets les bonbons à la poubelle. C'est tellement injuste! J'y prenais plaisir. Tu connais les règles. Tu me déçois, Mindy. Maintenant, lis ton livre. Je suis trop sournoise pour elle. J'ai encore des bonbons cachés. Non, je peux pas. Où est-ce que je peux? Il doit y avoir un moyen de les manger. Attendez, je sais quoi faire. Je vais découper un nuage dans un morceau de carton. Ensuite, je vais lui coller des yeux et une bouche. J'applique de la colle sur les bords et je colle de la mousse dessus.
J'aurai également besoin d'une fermeture éclair. Ça donne un joli carnet de notes, mais il recèle un secret savoureux. C'est comme un arc-en-ciel sucré, c'est génial. La prof ne le saura jamais. Mindy, qu'est-ce que tu fais? Rien? D'accord. Ne gâche pas mon petit encas. Faisons la fête, les filles! Selfie! Hé, hey, ouvrez! Vous avez entendu quelque chose? Qui ça pourrait être? Bonjour! Que se passe-t-il ici? Vous, les enfants, et votre musique moderne? Oh, j'essaye de dormir! Quoi? Qui a commandé la grand-mère? Grand-mère? Comment oses-tu? Je vais te montrer! Est-ce qu'une grand-mère peut faire ça? Quelle émotion! Ça fait du bien! D'accord, c'était inattendu. J'aurais dû baisser le volume. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez ça! Nous ne pouvons plus utiliser ceci! C'était une mamie en colère. Quelqu'un peut-il faire du beatbox? La fête est terminée. Allons-y, mesdames. Mais... Oh, c'est la pire soirée. Au moins, j'ai toujours les encas et les boissons. Et ils sont tous à moi. Cela me donne une idée. J'ai besoin d'un long tube en carton. C'est la taille parfaite. Ensuite, j'ai besoin de mon téléphone. Je tracerai une ligne au bas du tube. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais maintenant le découper. Il a vraiment besoin d'une couche de peinture. J'adore ce violet. Je vais recouvrir le tube de cette couleur. Une fois qu'il est sec, j'aurai besoin de 2 gobelets. J'ai fait des trous dedans. Je les place à chaque extrémité du tube. Comme ça, c'est prêt. C'est mon propre système de haut-parleur. Essayons-le. Je place mon téléphone dans la fente et ensuite je joue ma musique. Maintenant, dansons. C'est génial. Belle fête, Grace. Je dois me concentrer. Je veux pas faire d'erreur. C'est une crotte de nez juteuse. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Voici mon Kitty. Je sais, il est incroyable. C'est normal d'être jalouse. Je le veux. Regarde-le. Molly, est-ce que je peux le tenir? Bien sûr, je plaisante. Je t'ai eu. C'était pas très gentil. Il n'y a pas moyen que tu tiennes mon Kitty. Oh, elle est si méchante. Mais je vais lui montrer. Je vais commencer par couper ce carton en 2. Maintenant, j'ai besoin de colle. Je l'applique sur le pourtour. J'ai une longueur de carton dentelé. Je le presse sur la colle. Je remplis les bords pour faire une boîte. J'ai enroulé du papier autour d'une brochette en bois. Je le mets à l'intérieur de la boîte. J'ai découpé une fente dans ce carton. Il servira comme couvercle de la boîte. Je vais tirer le papier par la fente. Je dessinerai dessus ensuite. Et c'est tout. Molly, regarde ça. C'est un dessin animé de Hello Kitty. C'est plutôt cool, hein? Quoi? Où est-ce que t'as trouvé ça? J'aimerais bien la voir. Il n'y a qu'une seule solution. On fait un échange. Tu sais ce que je veux? Wouhou! Ça vaut vraiment le coup! Il est si doux et si câlin. Waouh! J'ai jamais rien vu de tel. C'est la meilleure chose qui soit. Je pourrais faire ça toute la journée. Que quelqu'un ait autant de pop-its. J'apporte le reste. Je crois qu'ils sont tous là. Oups, j'ai failli oublier. Avec les autres, je vais les recouvrir. Je crois qu'on est paré. Tu peux entrer. Mais non, c'est quoi ça? Il y a tellement de pop-its. Tu vas avoir besoin de ces lunettes. Merci. Alors, trouve l'intrus. C'est parti. C'est génial! L'heure tourne. Vite, allez! Oh, c'est une course. Il doit être là quelque part. Allez, allez, allez! Je ne trouve pas. Attends, c'est bon, maman, je l'ai. Ça, c'est ma fille. Bien joué. Je suis trop fière de toi. Allez, on peut s'amuser. Tu es la meilleure maman. Mon alarme est réglée. C'est l'heure d'aller au lit. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Attendez un peu, j'ai oublié l'examen. Oh non, c'est grave. Je dois étudier. J'espère qu'il n'est pas trop tard. D'accord, je peux le faire. Ce n'est qu'un semestre de travail. Ça ne peut pas être si difficile. Oh, je suis tellement fatiguée. Mais je dois continuer. Tu étudies beaucoup, hein? Je t'ai apporté des encas. Oh, t'es la meilleure. Je sais. Hein? Qu'est-ce que c'est?
Chut, il faut que j'apprenne ça. Ta lampe vacille. Elle doit être défectueuse. Et maintenant, elle est cassée. Oh, c'est pas bon. J'espère que tu n'as pas peur du noir. Attends, j'ai une idée. Oui, faisons ça. Je dessine des cœurs sur un gobelet en papier. Ensuite, je les découpe. Je place un disque de carton sur le bord de la tasse. Et j'y enfonce une tige de bois. Maintenant, j'ai besoin d'un grand nombre de disques en carton. Je les empile et je fais un trou dedans et dans le gobelet. Maintenant, j'enfile les lumières dans la tasse. J'enfonce la tige de bois dans les disques de carton. C'est une jolie lampe de bureau. Oh, Mindy, cette lampe t'aidera à étudier. Oh, waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est parfait. Bonne chance, ma chérie. Tu vas réussir. Oui, j'en suis sûre aussi. Oh, je l'ai déjà lu, ça. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est mon jour de chance. Je peux vraiment l'utiliser. Mais j'aurai besoin de mon téléphone portable. Il est temps que je me mette au travail. Je vais mettre la boîte sur le côté et je placerai une loupe dessus. Je vais maintenant percer des trous autour de la lentille. Une fois que cela est fait, j'enlèverai le carton du centre. Je mettrai de la colle sur les bords du trou et je collerai la lentille dessus. C'est la taille parfaite, je pense que c'est prêt. Waouh, fini les journaux ennuyeux. Pas quand j'ai ça. Je vais mettre mon téléphone dans la boîte et je remettrai le couvercle. J'ai maintenant mon propre cinéma. L'opéra était merveilleux, maman. Oh, waouh, regarde ça, maman, je le veux. La clocharde, oh, tu veux dire le projecteur. Puis-je vous aider? Voilà, ma chérie. Ce n'est pas à vendre. Excuse-moi, sais-tu qui nous sommes? Allez, ma chérie, il n'y a rien que nous ne puissions acheter. Écoute-moi bien, ma petite fille veut ce projecteur. Vous gâchez le spectacle. Hé, bougez-vous. Allez-y, foutez le camp. Oh non, tu n'oses pas. Attends que les filles du country club entendent parler de ça. Vous commencez à m'agacer. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Maman? Que se passe-t-il? C'était inattendu. Cool, un spectacle de magie gratuit. Où sommes-nous? Et qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Prêt à t'amuser, mon nounours? Oui! Tu peux sauter tellement haut! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un monstre! Annie? Maman, regarde mon nounours! Oh, ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. J'ai juste besoin de ce scotch transparent. Je vais en couper un petit bout et je le colorie avec un feutre rose. Il faut tout colorier. Ensuite, je vais mettre une paille au centre. Maintenant, je vais replier la bande. Et ensuite, je vais souffler dans la paille. Une bulle parfaite. Je vais pincer le bout pour la refermer. J'ai fait d'autres bulles de différentes tailles. Et maintenant, je peux les coller ensemble. Je vais utiliser un feutre correcteur pour dessiner sur le scotch. Je vais d'abord faire un grand cercle et je le remplis. Ensuite, je vais dessiner les yeux, puis le nez et la bouche. Ça va être super mignon. Je vais coller des oreilles en papier sur le dessus. Oh, regarde ça! Il est tout doux et tout câlin. Oh, Annie, regarde ce que j'ai! Waouh, il est adorable! Je n'ai qu'une envie, c'est de le serrer dans mes bras! Vas-y, mais pas trop fort! Ouf! Tu es mon meilleur ami! Allez, on joue! Ce dessin a l'air si bien! Que dois-je faire d'autre? Je vais jouer avec mes jouets! Waouh! Waouh! Prends ça! J'adore les dinosaures, ils sont trop cool! Ils feraient le meilleur animal de compagnie! Bref, où en étais-je? Ah oui! Oh, ma belle Grace, elle a une imagination débordante. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour elle. Laisse-moi réfléchir. Oh, elle adorerait ça. Mais c'est trop cher. Je ne peux pas me le permettre. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez une seconde. Peut-être que je peux faire quelque chose à la place. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de carton. Heureusement, nous en avons beaucoup. Je commencerai par cette grande boîte. Je vais prendre mes ciseaux. Je ferai une coupe diagonale à travers ce rabat. Je vais descendre jusqu'au coin. Ensuite, je ferai la même chose du côté opposé. Je peux maintenant utiliser le fidèle pistolet à colle. J'appliquerai de la colle le long du bord. Mais je ne veux pas faire de dégâts. Je peux maintenant coller ces volets ensemble. Je vais faire un trou juste ici. J'ai découpé une deuxième boîte pour qu'elle ressemble à une tête de dinosaure. Cette partie peut aller sur le dessus. Je dois la peindre. Le vert est la couleur idéale pour un dinosaure. La peinture en aérosol permet d'accélérer les choses. Il reste encore beaucoup à faire. Je mettrai de la colle le long de la tête. Je vais y coller ce morceau de carton à picot. Ça a l'air bien. Je ferai pareil à l'arrière de la boîte. Je travaillerai du haut vers le bas.
C'est là que la queue sera placée. Il ne reste plus qu'à apporter les touches finales. Essaye ça, ma chérie. Oh, je suis un dinosaure! Waouh! Attention, reste en arrière! Je vais t'attraper! C'est terrifiant! J'ai bonne mine! J'ai vraiment travaillé sur ma moue. Chut! J'essaye de me concentrer. Je dois apprendre ça. Oh, j'ai l'estomac qui gargouille! J'ai besoin de manger quelque chose. Mais c'est pas grave, j'ai des encas dans mon sac. De délicieux bonbons! J'adore les verres en gélatine! Ils sont tellement juteux et moelleux! C'est bon! Je peux en avoir un? S'il te plaît, je t'en prie! D'accord, tiens! Wouhou! Oh ouais, c'est de la bonne qualité! Ils sont délicieux! Bon, on dirait qu'elle aime les bonbons! Heureusement que j'ai autre chose! Je vais essayer ce pop-corn! Ça a l'air délicieux! Ouais, c'est trop bon! Oh, est-ce que je peux goûter au pop-corn? Allez, ce sera amusant! Prends-le! T'es la meilleure! Ah ouais, c'est trop bon! Tu l'as déjà fini? Est-ce que tu mâches au moins ta nourriture? Espérons qu'elle n'aime pas les chips. Oh, j'adore les chips! Je peux avoir une bouchée? Tu te moques de moi? Donne-les-moi! C'est si bon! Je peux pas me permettre ça. J'ai une idée. Hé, c'est Spider-Man! Je vais verser les chips dans la capuche de Mindy. Je dois être rapide. Hein? Je crois que je l'ai raté. Tant pis, j'ai quelque chose qui va te remonter le moral. Je vais découper un cœur dans ce carton. Puis je trace une ligne au bas de celui-ci. J'ai besoin qu'elle soit droite. J'ajoute ensuite d'autres lignes au-dessus. Après, je colle un grand cercle jaune au milieu. Je place ensuite des cercles plus petits autour du carton. Je peux maintenant le retourner. Je colle un morceau de plastique sur le cœur. Je veille à ce qu'il soit lisse. Je plie ensuite un côté du carton. Je passe un bâton de colle dessus. Maintenant, je peux coller l'autre côté dessus. Et j'appuie. Ça ressemble à un sac de chips. Il y a encore du travail à faire. Je prends une bande de carton jaune et j'y dessine des ovales. Je vais les découper. Je me contente de suivre les lignes. J'aurai besoin de beaucoup d'entre eux. Je les mets dans le sac. Oh, Mindy, regarde ce que j'ai. C'est pour moi? Oh, waouh, c'est mon jour de chance. J'en ai l'eau à la bouche. Attends un peu, ils ont un goût bizarre. Oh, ce ne sont pas des chips. Je pensais pas que tu les mangerais. Au moins, elle ne trouvera pas les vrais chips. C'est tellement étrange. Une petite coupure ici. Ça a l'air bien. Je m'ennuie tellement. T'es pas sérieuse? Ce cours est le meilleur. Hé, Molly, il y a quelque chose derrière ton oreille. Il y a quoi? Waouh, d'où ça vient? T'es une magicienne? Peut-être. Waouh, c'est trop cool! Ça me donne une idée! J'aurai besoin de beaucoup de cartons et de quelques ressorts. Maintenant, je peux faire une boîte. Tout se met en place. Ouais, ça devrait suffire. Mindy, tu dois voir ça! Hein? Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est toi qui as fait ça? T'as pas encore vu la meilleure partie? Regarde, il mange la pièce! C'est pas mal, hein? Essayons encore une fois. J'espérais que tu dises ça. Laisse-moi! Il faut aller au popo, ma princesse. Bon, d'accord. Hein? Qu'est-ce que c'est? Coucou, nounou. Remonte sur les toilettes. Ce n'est pas juste. Oh non! Pas encore! Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas continuer comme ça. Je te laisse réfléchir. Ciao! Il faut que je trouve une solution. Ah, je sais! Burke, je ne mangerai pas ça. Je préfère jouer. Et si, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as faim, monsieur Flamant Rose? Tiens, mange. Oh, on dirait qu'il aime bien. Oh, est-ce qu'il mange vraiment? Il faut qu'il aille faire un tour au petit coin. Ce n'est pas vrai. Il faut que j'aille voir. Est-ce qu'il va vraiment faire popo? Mets-toi à l'aise, monsieur Flamant Rose. Bien, fais ce que tu as à faire. Oh, on dirait que c'était nécessaire. C'est fini, non? Waouh, il fait vraiment popo. Moi aussi, alors. C'est bien, ma grande. Tu peux y aller, je vais me débrouiller. Un peu d'intimité, ça ne fait pas de mal. Tu es bien sage. Oh, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ça me pique les yeux. Journée, nouveau dollar. C'est de l'humour de banquier.
Bonjour. Oh, salut. Alors, je voulais vous parler de... qui êtes-vous? Sérieusement? C'est moi! C'est vraiment nécessaire. Oh, Mia! Salut! Quel plaisir de vous voir! Enfin! À chaque fois, c'est pareil. Je veux ce qui m'appartient. Vos pieds sont sur mon bureau. Moins de blabla. Allez, cherchez mon argent. Tout de suite! Et ne soyez pas trop longue. Comment j'accède à la chambre forte secrète? Oh, je me souviens. Elle me rend tellement nerveuse. Mais c'est notre meilleure cliente. Ah, j'y suis. C'est quelle clé déjà? Il y en a tellement. Je pense que c'est celle-là. Eh, désolée de te réveiller. Oui, mortel. J'ai besoin de l'argent. S'il te plaît. Prends-le et va-t'en de mon royaume. Merci, je te laisse te rendormir. Ce type est tellement effrayant. Qu'est-ce qu'il prend si longtemps? Je suis de retour. Et voilà. C'est une blague? Oh, ok, je reviens tout de suite. Je n'arrive pas à croire que je me sois trompée. Elle est tellement méchante. Je vais faire ça bien cette fois. Ah! Ok, je peux le faire. Doucement et lentement. Je l'ai. Il faut que je change de travail. C'est beaucoup trop stressant. Voici la cassette. Et? Vous ne voulez pas de cassette? Je le savais. J'espère que je vais trouver ce qu'il faut cette fois-ci. Une valise? C'est ça qu'elle veut? Ça bouge! Il y a quoi là-dedans? Enfin! Je suis libre! Ravie de vous aider. Vite! Tu dois venir avec moi. Par ici. Et voilà! C'est quel genre de banque ici? Oh, je voulais un nouvel ami. Allez, on redescend à la chambre forte. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Je dois juste trouver la clé. Elle est là quelque part, ça ne sera pas long. Est-ce que je dois tout faire moi-même? C'est celle-ci. Je le savais, donnez-la-moi. Non. Pourquoi? Je dois d'abord faire quelque chose. Laisse-moi réfléchir. Oh, des agrafes. Parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je suis sur le point de vous rendre la vie plus facile. Je vais créer un motif avec les agrafes et les coller ensemble. Puis j'ajoute un peu d'éclat. Maintenant, je dois les attacher à la clé. Ça a l'air bien. Vous ne la perdrez plus jamais. Maintenant, vous pouvez la prendre. Waouh, c'est génial! Je vais chercher vos affaires. Tada! C'était si difficile. Je sentais que j'avais besoin d'un nouveau look. Vous pouvez les mettre dans le coffre. Bien sûr, j'ai la clé. Ouf, c'était stressant. Elle aurait pu nettoyer ses chaussures d'abord. Alors, où sont-ils? Oh mon Dieu! Regardez-moi tous ces couteaux! Je ne peux pas laisser ceci à portée de main de mon bébé! Elle pourrait se blesser avec ses ustensiles de cuisine! Oh non, 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 non! Je ne peux pas laisser ça ici! Je dois tout cacher! Pfiou! C'est mieux! Elle ne risque plus rien! Ok, je vais ramasser ses jouets... Une seconde! Ce coin de table est trop pointu! C'est pire qu'un couteau! Elle pourrait se cogner et se faire très mal! Oh non, ses jolis petits genoux! Je ne veux pas qu'elle se fasse de mal! Oh non, ce n'est pas envisageable! Je ne veux rien de dangereux dans ma maison! Voilà, les oreillers sont bien fixés sur tous les bords! Il n'y a plus d'angle pointu! Elle sera en sécurité, c'est mieux! N'oublions pas de fermer la porte! Mais les prises de courant! Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court un grave danger! Non, mon bébé! Stop, tu ne dois jamais mettre tes doigts là-dedans! Oh, et regarde-toi, tu es pleine de chocolat! Laisse-moi te nettoyer la bouche! Qu'est-ce que je vais faire de toi? Une seconde, ce couvercle pourrait être la solution! Oui, il s'adapte parfaitement à la prise! Je dois juste faire quelques modifications! Je le retire du paquet et je le colle sur la prise. Il la recouvre parfaitement. Ça lui empêchera de mettre les doigts dedans. Allez, reste ça jusqu'à ce que maman revienne. Une seconde, le fer a repassé. Je n'arriverai jamais à partir de cette maison. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé hier? Je crois qu'on a un peu trop fait la fête. J'arrive pas à croire que je vais me marier. Waouh, je suis tellement heureuse pour toi. À la tienne. Oh, je ne refais plus jamais ça. Je
ferais mieux de me rafraîchir. Regarde ce bazar. Génial, il faut aussi que je range. Oh, qu'est-ce qu'il est arrivé à mon maquillage? Attends, je crois que j'en ai un vague souvenir. Je crois qu'il y avait une boîte. Wouh! Applaudissez Mia, c'est la fête. C'est parti les filles. Qui change après? Hein? Oups, désolé, allons-y. Oh, c'est trop gênant. Et ce truc dans ma salle de bain? Qu'est-ce qu'il est arrivé à mes toilettes? C'est trop bizarre. Faites que ce soit la pire chose qui soit arrivée. Attends, c'est la meilleure soirée de tous les temps. On devrait faire ça tous les week-ends. Je ne vais clairement pas faire ça tous les week-ends. J'ai mal partout. Hein? D'où est-ce que ça vient? Oh, on joue? Je veux gagner un pop-it. Allez, allez! Wouhou! On a réussi! C'est pas pire. Oh non! Ma bague! Ah! C'est pas bon, ça! Où est-ce que je suis? Je suis censée me marier! Il me faut une bague! Il faut que je réfléchisse. Il est temps de se mettre au travail! D'abord, j'ai besoin d'une plaque à muffin. Je vais verser de la résine époxy claire dans le moule. Puis, j'ajoute quelques gouttes de peinture rouge. Ensuite, je mélange le tout. Je peux utiliser le pinceau pour créer un tourbillon. Avant qu'il ne durcisse, je vais y enfoncer un anneau. Je pense que c'est prêt. Ouf! Je suis à l'heure! Allons-nous marier! J'adore le chocolat. Je commence à m'inquiéter. Oh, chérie, n'oublie pas ta bague. Elle lui va parfaitement. Oh, c'est tellement romantique. On est mariés. Maintenant, je peux embrasser la mariée. Je devrais commencer mon devoir. Un arc-en-ciel, hein? Il y a du rouge dans les arc-en-ciel, pas vrai? Prochaine couleur, du jaune. Ça commence à être plutôt chouette. Mais la forme de l'arc-en-ciel est pas terrible. On devrait améliorer ça. Mais pourquoi c'est toujours des lignes droites? Allez! Des courbes! Des courbes! Mais c'est pas vrai! Tout va bien ici? Regarde! Attends, je vais t'aider. Dessiner des arcs-en-ciel, c'est dur, Matt! Tu peux m'aider? Bien sûr! Regarde ça! Pose un morceau de scotch sur ta feuille, le côté collant vers l'avant et place tes marqueurs dans l'ordre dessus. Ensuite, enroule le scotch et colle les deux bouts. Comme ça. Arc-en-ciel en vue! Un demi-cercle sur la feuille et le tour est joué! Tu vois, c'est la courbe parfaite! Mais c'est vraiment incroyable! Je vais essayer! Qui sait qui va avoir un 20 à son devoir? À plus! Une petite fin? Chloé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai jamais vu autant d'arc-en-ciel! Il y en a partout! Chloé? Ton astuce m'a vraiment bien plu! Tu veux en dessiner d'autres avec moi? Du chocolat? Comment t'as su que j'avais faim? Vas-y! Comment est-ce que je vais passer avec mon téléphone? Je sais! J'ai juste besoin d'un peu de scotch double face. Prête? On vise et on colle! Oh! Essayons à nouveau! Ne bouge surtout pas! C'était pas moi! Ah, les allergies! Mais qu'est-ce qu'il a ce type? Allez, colle-toi! Là! Hein? Qu'est-ce que c'était? Ah, salut! C'est à moi que tu parles? On dirait que j'ai une nouvelle copine! Vous êtes jolie aujourd'hui, Madame Smith! Oh, comme c'est mignon! Bonne chance aujourd'hui! Bonjour, Madame Smith! Bonjour, Annie. Voyons ce que tu caches. Jusqu'ici, tout va bien. Tiens, ça n'a rien détecté. Je n'ai rien, je le jure. Si tu le dis...
comme une lettre à la poste. Merci de ton aide, mec. Je ne veux aucune tricherie pendant l'examen. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé là? J'étais persuadée que ça marcherait. Bon, Stacy, tu es la suivante. J'ai besoin d'une minute. Je ne veux pas que la prof trouve mon téléphone. Mais comment je vais réussir à le passer en douce? Grace, tu ne tricherais pas, n'est-ce pas? Moi? Non, jamais. Attends, j'ai une idée. Il me suffit d'emprunter les claquettes de Grace. Les voilà. C'est le crime parfait. Il faut que je fasse quelques modifications. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Ça devrait le faire. À présent, je peux mettre mon téléphone dans la semelle. Personne ne saura jamais qu'il est là. Entre, Grace. J'espère que ça va marcher. Il faut juste que je sois naturelle. Tout semble en ordre. Je ne trouve aucun signe de tricherie. Je suis étonnée. J'étais sûre que Stacy allait tricher. Enfin bref. Rien de mieux qu'un bon chocolat chaud. J'ajoute le lait. Ça sent vraiment bon. Chérie, ton chocolat chaud est prêt. Merci, maman. Pile ce qu'il me faut. Tu peux prendre des gâteaux aussi. Aïe, trop chaud, trop chaud. Ça brûle. Ah non, oh non, pardon, que faire? Ne bouge pas, ma chérie. Ne bouge pas, maman va régler ça. Vite, maman, ça fait trop mal. Ces glaçons vont te faire du bien, ne t'inquiète pas. C'est mieux? Ah, ça fait du bien. Ouf, merci. Ce bac à glaçons pourrait servir. J'ai une idée. Verse du cacao en poudre dans un récipient d'eau. Mélange bien. Il faut que toute la poudre soit dissoute. Verse le mélange dans un bac à glaçons. Et mets-le au congélateur jusqu'à ce que ça prenne. Tu veux un chocolat chaud? Quoi? Non! Tout, mais pas ça! Oh, toi, ne sois pas bête! Regarde, je vais remplir cette tasse de lait chaud. Ensuite, je vais mettre un glaçon de chocolat. Regarde comme ça fond! Il faut juste que je mélange. Goûte ça! Ça va être à température parfaite, je te le promets. Si tu le dis... Oh, tu as raison! C'est trop bon! Merci, maman! Oh! Hé! Regarde ça! Ouais, ouais, super! Mais je lis, là! Waouh! Et ça? Arrête de m'embêter! Je te dis que je lis! Oh! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle fait avec ses nounours en gélatine? Elle les fait fondre! Et là, elle prend une fraise! Non, elle trempe la fraise dans les bonbons fondus. Incroyable, ça me donne une idée. J'ai un pot plein de nounours et un saladier. Je peux le faire. Allez les nounours! Au micro-ondes! Ah, j'ai juste à attendre qu'ils fondent. Génial, c'est prêt. J'ai hâte de goûter. Pour la prochaine étape, il me faut des fraises. Et d'autres fruits, bien sûr. Oups, j'allais oublier la brochette. C'est super important. La fraise est sur la brochette. C'est le grand moment. Oh, regardez comme elle plonge dans la gélatine fondue. Je la fais tourner un peu pour bien la recouvrir. J'imagine que je peux pimenter le tout avec un peu de vermicelle. Ils apporteront un peu plus de couleur. Je tourne bien ma fraise dedans pour la recouvrir. Oh mon Dieu, regardez-la, elle s'est endormie. Je vais en faire d'autres avec différents fruits. Tourne, tourne, tourne! Oh! La gélatine remplit les petits interstices de la mûre et elle fait briller le raisin. Et n'oublions pas les vermicelles. Ces petits cœurs sont trop mignons. Et voilà, une belle assiette. Allez, il est temps de la réveiller avec un petit claquement de main. J'ai dit claquement de main. Hein? C'est quoi ces lumières? C'est très joli! Tada! Je t'ai fait un petit goûter romantique. Vas-y, goûte! C'est adorable! Tiens, c'est pour toi! Délicieux! Et voici pour toi! Oh, ça croustille! C'est très bon! Ma chérie, tu vas bien? Ça va, ça va!
Tant mieux. Tu en veux d'autres? Non? Ok. Quelle belle maison! Il doit forcément y avoir des objets de valeur ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Haha, c'est le casse du siècle. Oh non! Filon! Qu'est-ce qui se passe ici? Ne t'inquiète pas, papa, je te couvre. Je vais déjà éteindre l'alarme. On a été cambriolés! Les bijoux! Ouf, ils sont encore là. L'or aussi. Quelle chance! Hein? Ils ont tout pris, papa! Les vêtements de mes poupées, regarde! Oh, mon petit cœur, je suis navrée. Voici un mouchoir. J'ai une idée. Tu veux une astuce fashion? Coupe le bas d'un ballon de caoutchouc, plie-le en deux et découpe un petit morceau sur les côtés au-dessus. Ouvre-le et voici une nouvelle tenue de poupée. Tu vas avoir besoin d'aide pour t'habiller. Ensuite, coupe le bas d'un autre ballon. Fais-lui un legging. Ajoutons une touche de couleur avec un grand ballon. Coupe le haut et le bas. Et enfile-le par-dessus les jambes. Ça fait une jolie jupe, hein? Elle est prête à défiler sur le podium. Voici une nouvelle garde-robe pour tes poupées. Oh, papa! Elles sont superbes! Elles sont hyper fashion! Salut! J'adore ta robe! Tu es radieuse dans ta nous. Mon estomac part en vrille! Oh non! Mon argent! Et mon téléphone! Oh! C'est pas vrai! J'arrive pas à croire que je vais devoir faire ça! C'est trop dégueu! Heureusement que le dernier a tiré la chasse! Je les ai presque! Oh non! C'était mon rouge à lèvres préféré! C'est vraiment pas cool! Comment je vais faire? Attendez! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh oh, il y a quelqu'un? C'est pas du... Si? Mais non! Une petite minute. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que tu fabriques, Ellie? J'ai fait un goûter. Tu en veux? Quoi? Non! C'est trop bon! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai pas le temps pour ça. Mon téléphone est tombé dans les toilettes. Il faut vraiment que j'efface tout. Laisse-moi me nettoyer. C'est pas juste! Tiens, voilà ton téléphone. Tu sais que tu n'es pas censé le mettre là, pas vrai? Tu crois que je suis pas au courant? Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Il faut juste que je trouve un truc qui ramasse n'importe quoi. Ça sera parfait? Non! Je ne me suis pas épilée récemment. Eh bien, on dirait la sœur du Yeti des neiges. Tiens, commence avec ça. Merci, Ellie. Bon courage, il est temps de s'y mettre. Je vais étendre les légumes sur la lunette des toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Ça devrait le faire. Donne-moi les ciseaux. Tiens, ils m'ont été très utiles. Dis donc, t'es poilu, hein? Ça tient chaud l'hiver. Je crois que je vais vomir. Il faut que je les nettoie. Il faut quand même pas abuser. Bon, on s'y remet? Je vais faire un trou dans le legging. Je suis curieuse. Ça devrait être assez grand. Je suis un génie. Je suis très perplexe. C'est prêt! Tu vas voir, les ciseaux ne vont pas tomber dans les toilettes. Waouh, c'est super malin! Ça marche à tous les coups. T'as vu ça? C'est impec. Place au test suprême. Mon téléphone! Non, ne fais pas ça! Je dois le faire. Oh! Je ne veux pas voir ça! Il est sauf! Waouh, c'est super ton truc! Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je n'ai pas encore fini. J'ai aussi un caca. Je le garde sur moi en cas d'urgence, comme c'est le cas ici. Attention, en plein dans le mille. Tu peux faire caca en toute tranquillité. D'où te viennent toutes ces idées? Oh, il faut que j'y aille. Tu permets? Il faut que tu consultes un médecin. C'est ça, ouais, sors d'ici. Je te laisse l'essayer. Oh, c'est confortable. Il faut que je trouve un truc à faire. Oh, ça arrive, je crois. Jouer avec ce papy toute la journée. Oh, attends, il y a encore le bouchon. Oh oh, c'est pas bon signe. Papa, je crois qu'on a un problème. Quoi? Qu'est-ce que t'attends? Allez, allez, on y va. Ne t'en fais pas, ça va aller. Ouah! Qu'est-ce que... un peu d'intimité, merci.
Faites ce que vous avez à faire. Arrête de me secouer dans tous les sens. Un instant, il faut que je reprenne mon souffle. Je suis plus aussi en forme qu'avant. Wow, ça en fait des marches. On devrait installer un ascenseur. Plus vite, papa! C'est parti! Combien est-ce que tu pèses? Ôte-toi de mon chemin! On y est, ma chérie. Ouf, juste à temps. Je ferme les yeux. Oh, c'est trop froid! Je descends. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause des toilettes, regarde! C'est problématique. Attends une minute. Je peux me servir de ton pop-it. D'abord, il faut que je retire les bulles. Oh, c'est satisfaisant. Ensuite, je les colle sur les toilettes. Wow, c'est tellement coloré. Et ça évitera que tu ne touches la lunette froide des toilettes. Et si on ajoutait un cœur? Wow, c'est super. Et voilà, c'est prêt. Qu'est-ce que t'en penses, Gabi? Wow, j'adore. C'est parti. J'ai hâte de l'essayer. Papa? Pardon, chérie. C'est tellement confortable. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu as mangé? Gabi, t'as terminé? C'est trop drôle. Au moins, ça permet de passer le temps. Merci, papa. Ravie d'avoir pu t'aider. Allez, chérie, ouvre grand la bouche. Non, c'est Burk. Il faut garder ses dents bien propres, ma chérie. Bon, regarde la belle licorne. Oh, maman, fais voir. Attends, c'est une brosse à dents. Tu m'as eu. Oh, je ne peux pas passer la journée à faire ça. Je sais, je vais m'aider de ces cailloux. Pour cette astuce, il te faut des galets décoratifs et une affiche de personnages de dessin animé. Mets de la colle sur les galets et colle-les sur l'affiche. Continue jusqu'à obtenir de beaux sourires. Utilise un feutre pour faire des taches sur les cailloux. On dirait qu'ils ont oublié de se brosser les dents. Chérie, tu veux jouer à un jeu? Il faut qu'on nettoie toutes les taches des dents. Oula, maman! Leurs dents sont super sales. Regarde, maman, j'y arrive. Elles sont toutes propres maintenant. Je devrais peut-être aussi nettoyer mes dents, maman. Bonne idée. Tiens ta brosse à dents. Un dernier dodo avant le théâtre. Ça va être génial. J'ai trop hâte. Qu'est-ce que j'ai mal dormi? Je me sens trop mal. Achoum! J'ai mal partout. Coucou, ma belle au bois dormant. Oh! Je ne me sens pas très bien. Fais voir, tu as de la fièvre? Mets ça sur ta tête. Ce sirop pour la gorge va te faire du bien. Ouvre grand la bouche. Burk! Il faut que tu te reposes. Mais le théâtre! Je ne peux pas rater le spectacle. J'attends ça depuis trop longtemps. Je suis désolée, ma chérie, mais tu es malade. Oh, attends voir. Je crois savoir comment te remonter le moral. Prends une boîte de céréales et découpe un rectangle. Place la boîte à l'horizontale et colle une bande de ruban adhésif en travers. Fais ça avec une bande de ruban adhésif d'une autre couleur. Alterne les couleurs jusqu'à recouvrir toute la boîte. Ensuite, enlève ce qui est au-dessus du trou avec des ciseaux. Maintenant, prends deux serviettes en papier et plie-les. Comme ça. Colle les serviettes à l'intérieur de la boîte. Fais deux entailles sur le dessus et glisse un bâtonnet en bois dans chacune d'elles. Pour finir, dessine des personnages sur des feuilles et colle-les au bâtonnet. Prête pour le spectacle? Mais non, c'est trop bien! Je me suis dit que c'est le théâtre qui allait venir chez toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Wouh! Encore! Achoum! Bah, ça c'est bien dégoûtant! J'espère que ce n'est pas contagieux! On peut être malade ensemble! Génial! C'est rigolo de lire! Ah! J'ai sommeil! 1, 2, 3. J'ai une idée! Dessinons quelque chose! Commençons par prendre une pochette plastique. On va dessiner quelques animaux dessus. Commençons par un mouton. Oh, qu'il est mignon! Ajoutons un poussin. Je vais le colorier en jaune.
C'est pas mal. Maintenant, le ciel. Et faisons une belle pelouse verte. C'est une superbe ferme. Prends une feuille noire et glisse-la dans la pochette. Ensuite, dessine une lampe torche et un faisceau lumineux. Tu n'as plus qu'à faire glisser la lampe par-dessus la feuille noire. Et la ferme s'illumine. C'est une super idée. Waouh, maman! Oh! Quel rêve génial! Oh, Lily est trop belle! Un jour, je me marierai avec elle. Mais avant, mangeons ce bonbon. Oh, tu es là! Salut, maman! Tu vas bien? Jared, tes dents sont dégoûtantes! Voici ta brosse à dents. Va vite les brosser! Non! Oh, qu'est-ce que je peux faire? Je sais! Je vais jeter un œil en ligne. Regarde! Oh, c'est Lily! Et elle se brosse les dents! Waouh! Moi aussi je veux me brosser les dents! Si Lily le fait, je veux le faire aussi! Oh, c'est mentholé! Je dois aussi faire la danse! C'est rigolo! Ces bonbons ont l'air trop bons! Prêt? Bonjour! Oh chérie, je veux des friandises! Je les veux toutes! Tu n'en as pas besoin, crois-moi! Vous ne voulez rien? Non, on y va! Waouh, c'est un petit ami en or! Il n'y a pas de préposé au billet? Où sont-ils? Allô? C'est bizarre. Oh! D'où sortez-vous? Aucune importance. De la nourriture? Non. Mais vous avez un soda. C'est interdit. Regardez le panneau. Donnez-le-moi. Désolée, chérie. Mais ce n'est pas grave. Ok, vous pouvez y aller. Vite, entre dans la salle. On peut s'asseoir ici. Je suis encore en colère après toi. Ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Un t-shirt? Regarde de plus près. Oh, tu es trop bon. Oui, en effet, ce sont des bonbons. Pour toi, mon amour. Pour romantique. Parfois, ça me prend. Oui, c'est mon pop-it préféré. J'adore les papillons. Oh mon Dieu, c'est un vrai petit ange! Oh, salut! Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue! Comment ça va? Viens, allons nous promener! Oui! Tu crois qu'on pourrait marcher tout autour du monde? Oh, regarde, une piscine! J'adore nager! Tu as soif? Vas-y, bois! Alors, ça fait du bien! Oh non! Où est-elle? Oh, elle est juste à côté! J'arrive pas à croire qu'elle a grandi depuis la dernière fois. Je commence à m'ennuyer, poupée. Oh, regarde ça. C'est un ballon. Oh, il est joli. Je l'adore. Il est rouge et bleu. Hé, reviens. Arrête de rouler, je veux jouer avec toi. Oh, ballon, regarde cet arbre. Il est vraiment très haut. C'est le plus grand arbre du monde. Oui, je peux le secouer. J'adore vraiment ce livre. Hein? Attends, où est-elle? Oh, Ben! Elle a disparu! Je ne la vois pas! Voici sa poupée. Mais elle n'est plus là! Où est-elle? Excusez-moi, avez-vous vu une petite fille passer par ici? Elle ressemble à ça. Elle est très mignonne. Oh, pardon. On ne l'a pas vue. Où a-t-elle pu aller? Oh, mon téléphone! Allô? Oui? Oui? Oh, mon Dieu, merci beaucoup! Où est-elle? Oh, mon ange, ma chérie! Maman t'a cherché partout! Coucou, maman! Oh, merci beaucoup de l'avoir amenée! Comment avez-vous réussi à me joindre? C'est grâce à son bracelet! Il y a un numéro dessus! Oh oui, j'avais oublié qu'elle avait ce bracelet! J'ai pris du fil de nylon et des perles, j'ai mis des cœurs pour que ce soit joli et j'ai écrit mon numéro de téléphone! J'ai aussi mis son nom, puis d'autres cœurs! Merci beaucoup de m'avoir ramenée, Annie! Passez une bonne journée! Dis au revoir à la gentille dame, Annie! Vroom vroom, hi hi, bip bip. C'était Moisine.
Poussez-vous, j'arrive. Rien ne peut m'arrêter. Chalalala, je viens passer l'aspirateur. Je me sens tellement vivante. De quoi est-ce que je pourrais rêver de mieux? Choubidoudou. Attends un peu. Appuie sur l'accélérateur. Boum. Wouhou. Plus vite, plus vite. Comment la maison fait pour devenir si sale? Hein? L'aspirateur n'aspire pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Ça ne fonctionne pas. C'est très étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'aurais dû m'en douter. Hé, hey, maman! En voiture! Vraiment, Chloé? J'essaye de faire le ménage. Ça, ça va à la poubelle. Oh, tu es vraiment un rabat-joie. En y réfléchissant bien, c'est tellement injuste. Attends! Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai une idée! Je vais couper des bouts de la boîte à pizza. Ensuite, je vais prendre mon pistolet à colle. Je vais commencer par ce bout. Je vais mettre de la colle tout le long, comme ça. Maintenant, je peux le coller sur ce grand rectangle. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. J'ai trouvé une longue bande de carton. Je vais pouvoir le plier et le façonner. Je vais utiliser de la colle pour le maintenir en place. Je vais mettre ça de côté. J'ai fait un trou dans un bouchon de bouteille de soda. Je vais faire passer deux pailles dedans. Je veux que ce soit bien serré. Il ne faut pas qu'elle tombe. Je vais ajouter de la colle pour être sûre. Je vais en mettre sur tout l'extérieur du bouchon. J'ai découpé un petit trou sur le dessus du carton. Les pailles peuvent rentrer par ici et sortir par là. Ensuite, je vais avoir besoin d'autres bouchons. Je vais faire rentrer une tige de bois dans une paille. La paille est légèrement plus petite que la tige de bois. Je vais mettre un bouchon sur chaque extrémité. Ensuite, je vais rajouter de la colle pour maintenir le tout ensemble. On va essayer. Waouh, regarde comme ça roule bien. Je vais les fixer sur la face inférieure du carton. Je vais ajouter quelques touches finales. Par exemple, les phares et les fenêtres. Je vais attacher un ballon sur le bouchon de la bouteille de soda. Je vais gonfler le ballon et on va pouvoir tester. Attention! Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est impressionnant! J'étais sûre que ça allait te plaire. Merci, maman! C'est normal, chérie. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que c'est prêt. Démarrez vos moteurs. Waouh, j'adore! C'est tellement rapide. Oh non! Oh non! Elle va le percuter! Oups! Désolée, maman. J'espère que tu as une assurance. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Allez, c'est parti! C'est très excitant! Continue, maman! Oh, on a encore contrôle aujourd'hui! Heureusement que je me suis préparée! Salut les anti-sèches! Avec un peu de préparation, introduire ton téléphone en classe n'est pas si compliqué! Et il faut savoir être créatif pour réussir! Et si tu es vraiment rusé, les solutions sont à portée de main. Qu'est-ce qu'il y a? Les téléphones sont interdits. Vous vous souvenez? C'est l'heure de l'école. Voilà ton sac. Merci, papa. Il me faut des chaussures, papa. Suis-je bête? Pas de problème. Je vais les chercher. Allons-y. Ça chatouille. Essaye de ne pas bouger. Tu me fais rire, papa. Tu peux me laisser faire? Désolée. Voilà, et maintenant, file à l'école. D'accord, au revoir, papa. Au revoir. Phew. Oh, ce n'était pas facile. Je vais peut-être fermer les yeux quelques secondes. Debout, papa. J'ai faim! D'accord, attends ici. Et voilà, ma chérie. C'est tout ce qu'il te faut, non? Ah, maintenant, je peux me détendre. Qu'y a-t-il maintenant? Ce n'est pas juste, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Il pleut! Je vais être trempée! Pas de problème. Utilise ce parapluie. Merci, au revoir. Faites que ce soit fini. Waouh, c'est un sacré orage. Je ne veux plus jamais aller dehors. Oh non! Mon parapluie est cassé. Non, non, ça va aller, chérie. Mais... Ouais.
Ah, presque. Je veux juste du temps pour moi. Je devais aller jouer au golf. Attends un peu. Le rideau de douche. Oh, ça me donne une idée géniale. On plie le rideau de douche pour former un triangle. On coupe la pointe du triangle. On place deux parties l'une sur l'autre. On utilise du papier sulfurisé et un fer à lisser pour coller les parties entre elles. Attention à ne pas laisser d'ouverture. Waouh, papa! Ce poncho est trop cool! Il est parfait! Maintenant, je peux sortir! Oui, je suis un génie! C'est incroyable! Je reste bien au sec! Oh! Le soleil! Mais je voulais porter mon poncho! Déjeuner, ok? On se voit bientôt. Au revoir. Où est mon sac? Je vais coller mon panneau ici. Ah, le magasin est ouvert. Oh, un client. Salut, maman. Hein? Oh, bonjour, Chloé. Bienvenue dans mon magasin. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Je n'ai pas le temps pour ça. 38 dollars pour ça? Non. Ce n'est pas grave, j'ai plein d'autres choses. Qu'est-ce que c'est que ça, maintenant? Un flamant rose? C'est mignon. C'est tentant, mais non merci, ma chérie. J'essaie de trouver mon sac. J'ai pile ce qu'il vous faut. Il vient d'arriver aujourd'hui. Mon sac à main. Passe-le-moi. Ça va vous coûter cher. Je n'ai pas d'argent, désolée. Dans ce cas, vous ne pouvez pas l'avoir. Il faut payer. Mais... D'accord, je vais jouer le jeu. Ne bouge pas. J'ai juste besoin de prendre quelque chose. Oh, ça brille. Tu es trop bête, maman. Je n'accepte que les espèces. Je suis pressée, Chloé. Comment je vais faire? Attends, j'ai une idée! Oui, je pense que ça va marcher. Je vais avoir besoin de ces gants et de ce carton. Je reviens tout de suite. Je vais commencer par découper le carton en plusieurs parties. J'ai également besoin de mon pistolet à colle. Je vais appliquer une fine ligne de colle sur ce bout, comme ça. Je le colle ensuite sur le grand rectangle. J'appuie bien pour m'assurer qu'il est bien collé. Ensuite, je vais faire pareil avec le reste. J'ai ajouté des petites fentes sur les côtés qui sont devant et derrière. Maintenant, il me faut une bande de papier. Je vais l'enrouler sur elle-même. Je veux qu'elle soit bien serrée. Je vais garder un petit morceau qui dépasse. Je vais le faire passer par l'une des fentes. Ça m'a l'air bien. Je vais mettre de la colle sur les bords de ce carré de carton. Je suis contente de porter ces gants. Je vais coller ça sur le dessus de la boîte. Il est légèrement plus petit, mais ça fait partie du plan. Et maintenant, on passe à la dernière pièce. Je ne mets de la colle que sur trois côtés. Ce bout va être un peu incliné. Comme ça, ça me plaît. Et maintenant, on peut décorer. Je vais mettre de la colle sur les côtés et je recouvre le tout de feutrine noire. Je ne veux pas de plis. Je vais laisser un peu de feutrine qui dépasse pour cette partie à l'arrière. Ensuite, je vais prendre du carton blanc et voilà, j'obtiens un écran et un clavier. J'espace les chiffres de façon régulière. Je vais avoir besoin d'une carte de crédit. Ouf, elle a été acceptée. Le reçu sort par le haut. J'espère que ça va plaire à Chloé. On va bien voir. Ahem, tu acceptes les cartes maintenant? Waouh, c'est trop cool! Chaque magasin a besoin d'une machine à cartes. Mon entreprise se développe. Alors, je peux acheter le sac maintenant? Hein? Oh, bien sûr! Ouf, je vais insérer la carte ici et voilà, c'est payé. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tenez! Enfin, je peux y aller maintenant. Qu'est-ce que c'était? Comment ça se fait que ce soit par terre, ça? Oh, c'est une blague! Hé, hey, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? L'offre et la demande, maman! Tu ferais mieux de sortir ta carte bleue. De Gabi pendant notre absence. Veillez sur Gabi, bien sûr. Et pas de bêtises! C'est génial! Pas trop fort! Attends, mon téléphone sonne. Ouch! Arrête, Gabi! Je vais vomir. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis épuisée. C'est nul! Je m'amusais plus en jouant avec Alex. Enfin, je vais pouvoir me détendre. Oh, je préfère ça. Trop beau! J'aimerais avoir des tatouages, moi aussi. Mais j'ai pas d'argent. Une seconde, je sais. Voilà ce qu'il me faut. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aiguilles. C'est assez joli. Je suis magnifique. Hé, hey Alex, regarde-moi. Hein? Qu'est-ce que... C'est génial, hein? Je suis comme toi. J'ai jamais été aussi heureuse. On est des copains de tatouage. Je me suis jamais sentie aussi vivante. C'est plutôt cool, hein? Oh oh! Maman et papa sont rentrés. Ils sont en avance. Oh non, il faut te débarbouiller. Mais mes tatouages, je viens de les faire. Il faut surtout pas qu'il te voit comme ça. Je dois faire quelque chose et vite. Ne bouge pas. Je vais mettre du scotch sur le tatouage. Puis le retirer tout doucement. Oh non, s'il te plaît, Alex. Fais pas ça.
Regarde, le tatouage s'en va. Même pas besoin de frotter. C'est facile et rapide. Ça marche à merveille. Ça chatouille un peu. Plus que le dernier. Juste à temps. Ouf, quel soulagement. Mais j'aimais bien mes tatouages. C'est pas juste. Quelle journée. Oh, coucou les enfants. Hé, mais où sont passés tes tatouages? Oh ouais, je vais te dire un secret. C'était des faux. T'es trop nul. On dirait que vous vous êtes bien amusés. Nous savons que l'école peut être difficile. C'est pourquoi nous avons mis au point ces astuces géniales pour te faciliter la vie. Quelle est ta meilleure astuce pour l'école? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. C'était clairement l'épisode le plus drôle. Oh, je me demande où il va comme ça. Oh mon Dieu! Oui! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde! Une soirée pop-it! On y va! Waouh! Ton pop-it est trop mignon! J'ai le mien aussi! Alors c'est parti! Oh! Il y a un videur! Et la nourriture et les boissons sont interdites! Mais nos bonbons! Comment on va faire? Je voulais vraiment aller à cette soirée! Hé! Je pense qu'on peut y aller! Et aussi emporter nos bonbons! Regarde! On a juste à prendre ta coque pop-it! Je vais mettre une image d'un objectif ici. Et on peut la remplir de Skittles! Un Skittle dans chaque trou du pop-it! Il faut utiliser cette cachette au maximum. Et maintenant, le chocolat, je l'ai fait fondre pour qu'il coule plus facilement. J'en mets sur tous les Skittles. Super! Ça marche trop bien! C'est bon! On peut y aller maintenant! On dirait un vrai téléphone! Super! T'es vraiment trop forte! Parfait! Allons-y! Vous pouvez y aller! Vous n'avez pas vu les pancartes? Pas de nourriture ni de boisson à l'intérieur! Allez, fichez-moi le camp! J'ai mon pop-it! Tu peux y aller! Je n'avais jamais vu de pop de téléphone pop-it avant! C'est cool! Profite bien de la soirée! Il n'y a plus personne, je crois. C'est l'heure de mon pop-it géant! Wow! Il y a tellement de pop-it ici! Venez et aidez-nous pour ce gros pop-it! C'est la meilleure soirée de ma vie! On a gagné le concours de piles de pop-it! Allez, allez, allez! Tu vas battre le record! Hé! On échange? Oh! Ok. Tu penses à la même chose que moi? C'est l'heure de manger! Voilà, tout est prêt pour nous! La coque pop-it s'enlève super bien. C'est comme une barre de chocolat maison. C'est délicieux! Prends-en! Hé les amis, on a caché des bonbons! Venez en manger! J'ai besoin de ton aide! À toi de jouer! Tu peux compter sur moi, Annie. Vas-y vite, mademoiselle. Je n'ai rien sur moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, on ne peut rien lui demander. Tu peux entrer. Opération voiture téléphone activé. Un peu de scotch double face. Téléphone collé. Et c'est parti. Attention aux jambes. Doucement. Attention au virage. Destination atteinte. J'adore les petits voyages. L'école, on le sait, c'est difficile. Mais heureusement, il y a toujours une astuce qui peut rendre la journée de cours plus facile. Quelle est votre meilleure astuce pour l'école? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos utiles comme celle-ci. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Maman, je m'ennuie. Oh! Oh, des bonbons! Oh non, le paquet est vide! J'ai envie de m'amuser! Waouh! Moi aussi, je sais tirer la langue. Regarde! Non, pas celle-ci. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air amusant. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur.
Oh, waouh! Regardez! Oui, je vais mettre plein de pansements. J'en mets un là. C'est génial! On dirait des tatouages. J'ai l'air trop cool. Où est-il passé? Liam? J'arrive, maman. Regarde, maman, regarde. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas sortir avec ça. Il faut retirer tous ces pansements. Aïe! Non, ça fait mal. Reviens ici. Nous n'avons pas le temps pour ça. Non, je ne veux pas. Je suis trop vieille pour ça. Liam, reviens ici tout de suite. Non, tu n'as pas le droit de me forcer. Assieds-toi et étends ton bras. J'ai peut-être une idée qui pourrait tout arranger. Tout ça sans douleur. Je vais tremper un coton-tige dans la vaseline, puis je le frotte sur le pansement. Enfin, je peux le retirer. Et voilà, tu vois, ça ne fait pas si mal. Hein? Où est-ce qu'ils sont passés? Occupons-nous de ceux qui restent. Enfin, on recommence à voir ta jolie frimousse. Allez, cette fois, on est parti. Il m'en reste encore un. Chut, c'est un secret. Voilà, c'est ma maison. Dis donc, c'est énorme. Eh oui, assieds-toi. Mais non, t'as tout plein de jouets. Et beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas si fou. C'est tout? Oui, ça c'est mon singe. Oula! Regarde-moi tous ces sacs. T'as tellement de chance. Ils sont trop beaux. Waouh! Oui, il me faut un nouveau sac par jour. Je vais regarder de plus près. Je n'ai jamais vu autant de sacs à main de ma vie. Ils sont trop beaux. Oh, regarde celui-ci. Qu'est-ce que tu fais? Pardon. Donne-moi ça. Ça coûte très cher. Ne mets pas tes doigts tout sales dessus. Moi, j'ai juste ce sac plastique. Je n'ai jamais droit aux jolies choses. Oh, je me demande ce qu'il y a dans cette boîte. Où tu vas encore? Toutes ces affaires sont trop sympas. Ça part à la poubelle, ça. Je pourrais faire quelque chose de ce carton. Laisse-moi une minute. Regarde mon nouveau sac. Oh, j'adore. Tu l'as trouvé où? Il me le faut. Prends-le. Oh là là, il est dingue! C'est mon nouveau sac préféré. Merci beaucoup. Tu m'en donnes un des tiens en échange? J'aurais dû me douter que c'était un piège. Mais bon, c'est normal. Même si ça ne m'enchante pas. Tiens, tu peux prendre celui-là. C'est vrai? Il est à toi. Et moi, je garde celui-là. Il ne rentre pas sur l'étagère. J'ai changé d'avis. Annie? Elle était assise juste ici. Presque terminé. Au suivant, les spaghettis. Pas de problème. J'ai mes ingrédients. Je vais verser la farine dans l'assiette. Jusqu'à présent, tout va bien. C'est une drôle de sensation. Oh, des œufs! Je les prends tous. Oh non! Attention! Qu'est-ce que tu as fait? Smash! Il faut que je mette mes mains là-dedans. Oh, gluin! Oh! Quelle séance d'entraînement! C'est l'heure des pâtes! Cette machine fera le travail difficile. Il suffit de tourner la poignée. Regarde! J'ai fait des pâtes! C'est tellement excitant! Je vais le remuer. Qu'est-ce que tu fais? Le chewing-gum, mon préféré. Ce sera mon spaghetti. C'est si facile. Je vais verser du sirop de chocolat. J'adore ça. Plus. Encore. C'est une œuvre d'art. Nana. Mes pâtes sont prêtes. Comme le faisait maman.
c'est si difficile que ça? Chérie? Fais! Comme je l'aime. Des pattes noires! Vous devriez essayer. La chose! L'œil! Il ajoute de la saveur. Profitez-en! Non! Le temps est écoulé! Cela valait la peine d'essayer. Voyons voir. C'est bizarre. C'est dégoûtant. Je n'aime pas ça. Au moins, ça a l'air normal. Slurpee, Slurpee. J'espère qu'elle l'aimera. Oh, est-ce que c'est du chewing gum? Ça a l'air bien. Waouh, c'est le gagnant! Oui, c'est ça. Je vais couper ces tomates cerises en morceaux. Maman, regarde, je me suis habillée toute seule. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ma chérie, tu es magnifique. Est-ce que tu pourrais me prendre en photo, s'il te plaît? D'accord, ne bouge pas. Maintenant, fais-moi un beau sourire. Superbe. Maintenant, prends une autre pose. Oh, tu es trop mignonne sur ces photos. Viens voir. Oui, montre-les-moi. Elles sont très réussies, tu ne trouves pas? La petite merveille à sa maman. Hein? Pourquoi? Comment? Je ressemble vraiment à ça? Oh non, Lizzie, il faut que je trouve quelque chose pour la consoler. Du maïs. Mais bien sûr, j'ai la solution. Lizzie, viens voir 2 secondes. Je vais placer le maïs comme ça. Tiens, Lizzie, mets-toi en face. Et mets tes bras comme ça. Très bien, je vais régler le retardateur. Tu es prête? Souris. Du raisin géant. Et là, un ananas géant. Viens voir, Lizzie. Jette un coup d'œil à nos nouvelles photos. Waouh, elles sont excellentes. Merci, maman. Il est temps de faire un selfie. Voyons voir ce que ça donne. Oula, je ressemble vraiment à ça. Je ne vais pas poster ça. Nous aimons tous la cuisine de grand-mère. C'est tellement savoureux. Il n'y a rien de comparable. Ou est-ce le cas? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Prenez ces tabliers. Et mettre la toque du chef. Il est temps de relever un défi culinaire. Regardez ça. Wow! J'aime le chewing-gum. C'est amusant de se manger. Miam, miam, miam. C'est incroyable. C'est vraiment juteux. Je vais faire une bulle. Jetons un coup d'œil. Il a l'air d'aller bien. J'ai une idée. La chose. J'ai besoin de votre aide. Vous savez ce qu'il faut faire. Hé, hey, bon travail. What? Vous êtes si drôle. C'est bon, j'ai plus de chewing-gum. Oh non, il n'y a plus rien. Donnez-moi ça. Un verre frétillant. Ils sont si mignons. Ah. Hey, c'est pour toi. Vous êtes le meilleur. Joli. J'en veux plus. Attendez, quelque chose m'a touchée. Est-ce que c'est un verre? Je dois sortir d'ici. Au revoir. Bon voyage. C'est l'heure d'aller se coucher, ma puce. Voilà ton nounours. Merci, papa. Fais de beaux rêves, Eva. À demain. Oh non, il fait tout noir. J'ai peur du noir. Maintenant, mes chakras ne sont plus alignés. J'arrive, chérie. Que se passe-t-il? Quelqu'un veut se battre? Je veux dire, tout va bien? J'ai peur du noir et de l'orage. Oh, tout va bien, ma poussinette. Ne t'inquiète pas. Tout va très bien. Je suis là. Et si je te lisais une histoire? Ferme les yeux. Il était une fois... Je crois qu'elle dort. Ne pars pas!
Chut, je suis là. Calme-toi. Papa! Oh! Ouf! J'ai eu peur. Enfin, quand même! Je crois que j'ai une idée. Et je vais avoir besoin de ce gant en plastique. Ah, vous avez deviné? Je vais mettre le gant dans un verre en rabattant le gant sur les bords. Je vais prendre un autre verre que je remplis de riz. Ensuite, je vais remplir le gant de riz. Puis, je retire le gant du verre. Et enfin, je fais un nœud. Je pense que ça va marcher. Je vais le déposer contre son bras. Génial! Maintenant, je peux me glisser doucement vers la sortie. Aïe! Oh, mon orteil! Surtout, ne pas pleurer! Le prochain défi est un excellent œuf. Oh, c'est drôle! Allons-y! Un petit coup, et je casserai l'œuf. Je vais ajouter du colorant alimentaire. Alors, je vais le fouetter. Je ferai la même chose avec des couleurs différentes. C'est comme un arc-en-ciel. Ce seront des œufs spéciaux et adorables. Je vais verser l'œuf dans le cœur. Alors, je vais le faire cuire. Ce ne sera pas long. Je ne veux pas le brûler. C'est prêt. Je le mettrai avec le reste. C'est trop mignon. Mes œufs! Mais on a gagné du temps. Maintenant, je vais les mélanger. J'espère que vous aimez les coquillages! Crunchy, crunchy. Et voilà! Je m'étonne moi-même parfois. Souhaitez-moi bonne chance. Je mets de l'huile dans la casserole. C'est une flaque. Venez ici! Il fait chaud. N'ayez pas peur. Je pense que oui! Les œufs sont entrés. J'ai besoin de colorants alimentaires. Oh, regardez, un visage heureux. Fini. Oh, si talentueux. Mais il faut des herbes. Et une moustache. Il ressemble à mon mari. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que c'est? Une coquille? Blur. Pas question. Oh, joli. Je les aime. On dirait mes dessins. J'espère que c'est bon. Eeny, meeny. Le gagnant estimated. Celui-ci. Cool. Wow. Oh, un œuf en chocolat. Ils sont si délicieux. Wow. Jetez un coup d'œil. C'est bien, mais c'est petit. J'ai un œuf énorme. Il doit provenir d'une autruche. Waouh, c'est vraiment cool. Je le veux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi réfléchir. Je veux dire que tu es ma petite fille. Ok, vous pouvez la voir. Tu es le meilleur. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime les surprises. Waouh, c'est une poupée. Elle est si jolie. Nous allons être les meilleurs amis du monde. Hein? Je rêvassais. Il est temps de l'ouvrir. Wouhou! Je veux être le premier. Attendez, ce n'est pas une poupée. Ew! What? Je déteste les brocolis. Ah, vous ne vous attendiez pas à cela? J'ai oublié mon œuf. C'est parti. J'espère que c'est quelque chose de bien. J'ai hâte. Regardez ça. C'est un diamant. J'ai touché le jackpot. Je sais ce qu'il faut faire. Ek, un zombie. Hey. Ooh, brilliant! C'est ce dont j'ai besoin. Quel bon gars! Ceci est pour vous. Tu m'as offert la poupée. Waouh, je n'en reviens pas.
chewing-gum. Ce sera savoureux. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il est si moelleux. Suis-je censée être impressionnée? J'en ai le souffle coupé. Il est plus grand que ma tête. Hey. Ça sent bon. Regarde, grand-père. Attendez. Quoi? C'est vraiment injuste. Qu'est-ce que c'est? On s'en fiche. Je mange ça. Non, non, non! Délicieux. Il est si moelleux. Waouh! Il aime vraiment ça. Je ne peux pas le laisser gagner. Il faut continuer. Hé, grand-père! Couvre tes yeux. Yes! C'est facile. Je ferai de même. Le fait-il? Est-ce que c'est censé être un défi? Waouh! Il est bon! Je vais faire une coupe rapide. Coupez! Coupez! Je le prends! J'aime bien. Attendez, où est-il passé? J'ai gagné? Oui, j'ai gagné! Bravo! Félicitations! Ceci est pour vous! Rien de tel qu'une journée de farniente à laver la voiture. Phew! Qu'il fait chaud! Oh! Waouh! Vite, il faut que je rentre le ventre! Si tu avais vu ça! Oh, regarde! Personne ne peut résister à ma chevelure! Salut les filles! C'est une blague, n'est-ce pas? Trop drôle! Pourquoi ai-je l'impression qu'elle se moque de moi? Oh non! Mince! Oh, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Bon, je n'ai plus qu'à me remettre au travail. Je vais la faire briller comme un sou neuf. Elle est impeccable! C'est du bon boulot! Je suis plutôt contente du résultat! Papa, je suis prête pour aller à l'école! Je t'en prie, ma puce. Monte! Oui! En avant, papounet! Et si on mettait un peu de musique? J'adore cette chanson! La 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 la! Oh non! Ne mets pas tes pieds sur les fauteuils! Oh pardon! Je ne l'ai pas fait exprès! Je viens tout juste de nettoyer la voiture! Je vais toujours danser avec mes pieds! Youhou! Qu'est-ce que je viens de dire? Bon, ce n'est rien. Détends-toi. Rappelle-toi les cours de yoga. Oh tiens, il me vient une idée. Ce t-shirt est parfait pour éviter les traces de chaussures. Je vais le faire passer par-dessus l'appui-tête. Puis l'étirer jusqu'en bas du siège. Voilà, à présent tu peux danser tant que tu veux, ma puce. Merci, papa. La 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 la. Et c'est parti! Regarde ma princesse, maman. Elle est très belle, chérie. Je m'ennuie maintenant. Je vais jouer avec ces nounours plutôt. Ah, j'en ai marre aussi. Vroom, vroom. Ah, je veux de nouveau jouer. Qu'est-ce qui se passe? Chut, maman n'aime pas quand il y a trop de bruit. Tu n'as pas un bouton pour qu'on puisse t'éteindre? Bon, d'accord, prends les clés de voiture. Allez, vas-y. Je me disais bien que ça allait marcher. On va rigoler. Waouh! Elle brille de mille feux. Et elle est toute à moi. Je n'ai même pas le permis. Accrochez-vous, ça va décoller. La sécurité avant tout. C'est parti. Vroom! Waouh, je suis la meilleure conductrice qui existe. Tut-tut, poussez-vous. Tut-tut. Waouh! Salut! Regarde ma voiture! Elle est incroyable! Ça va, ma chérie? Oh, d'accord, j'ai compris. C'est une bien jolie voiture. J'aimerais trop avoir la même. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Hein?
C'est quoi ça? C'est une voiture miniature? C'est mon jour de chance! Je vais la donner à Annie. Mais il faut qu'elle puisse la faire rouler quelque part. Je sais! Pose un t-shirt blanc sur une surface plane. À l'aide d'un feutre noir, dessine une courbe. Continue jusqu'au bas du t-shirt. Dessine une deuxième courbe pour faire une route. Ensuite, dessine le marquage au sol. Quand c'est fait, colorie la route. Attention à bien éviter les marquages au sol. À la fin, tu devrais obtenir quelque chose comme ça. Attention, chauffez vos moteurs! Salut Annie, j'ai quelque chose pour toi. Et ce n'est pas tout. Mais non, une route! C'est génial! Vroom, vroom! Ça me fait un mini-massage. C'est trop bien, maman! C'est la voiture la plus rapide du monde! Regarde-moi ça! Hein? Oups! Ne t'inquiète pas, chérie, j'ai juste un peu mal au dos. J'ai hâte d'y être. Attendez, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose là-dedans. Un œuf? C'est décevant. Qu'avez-vous? Un bol vide. Que se passe-t-il? C'est un peu brut. Oh, oh, ce n'est pas bon. Wow! Comment as-tu fait ça? Un poulet? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? J'ai une idée. Regardez ça! Je crois que c'est prêt! Les œufs sont excellents! Et maintenant, la partie la plus amusante! Je pourrais faire cela toute la journée! Je me sens tellement vivant! Je devrais être chef cuisinier! De l'œuf! Et maintenant? Ne vous inquiétez pas, j'ai une paille! Ah, juste ce qu'il me faut! Ça ne marche pas! Je sais ce qu'il faut faire! C'est parti! Laissez-moi vous aider! Joker! C'est très drôle! Ça a l'air délicieux! Je vais mettre ma maison là! Il me faut mes voitures! Salut Noah! Ça a l'air amusant ton jeu! Salut maman! Tu veux jouer? Pourquoi pas? Je vais m'asseoir là-bas! Non maman! Ma maison! Oh oh! Je n'aime pas ce bruit! Non! Oh, c'était un accident! Mais je peux arranger ça! J'espère! Oh! Ce stylo 3D peut me servir! Besoin de réparation urgente pour ta maison? On a ce qu'il te faut. D'abord, dessine une maison. Ensuite, remplis l'intérieur avec le stylo 3D. Le dessin te sert de modèle. Fais de grands traits avec le stylo pour remplir tout le toit. Colle bien les lignes entre elles. Il ne doit y avoir aucun trou. Quand c'est fait, passe à la porte. Et il lui faut des fenêtres, évidemment. N'oublie pas de ne pas déborder. Maintenant, on passe au mur. Pour ça, utilise une autre couleur. Contourne les fenêtres et la porte. Retire la feuille sous la maison. Maintenant, on va construire la maison, mais pas besoin de ciment. On va coller les pièces avec le stylo 3D. Vérifie bien que tu as 4 murs. Il ne faudrait pas que la maison s'écroule. Une fois qu'on a les murs, mets la maison dans le bon sens. Colle le toit et pose-le sur la maison. Un nouveau foyer. Regarde ce que j'ai pour toi, Noah. Une nouvelle maison? Tu as même un jardin! Waouh! Attends, il faut que j'aille chercher Dolly! Elle a l'air toute contente! Je crois que ça lui plaît! Je hais ce coq! Oh, qu'est-ce que je suis fatiguée! Bon, je ferais mieux de me lever! C'est quoi cette odeur? C'est horrible! Oh, c'est moi! Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui?
C'est tout? Je n'ai que ça? Un t-shirt? Et en plus, il est troué. Il faut que j'enfile quelque chose. Bon, je n'ai pas d'autre choix. C'est trop injuste. Si seulement je pouvais avoir une garde-robe toute neuve. C'est quoi, ça? Hé, j'avais oublié ce jeu. Je peux peut-être m'en servir pour me trouver une nouvelle tenue. Excellente idée. C'est mignon, ça. Ça, un peu plus décontracté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, le rouge me va bien. Dommage que je n'ai aucun de ces vêtements. Je n'ai que ce vieux t-shirt. Bon, c'est marrant quand même. Waouh! Incroyable, maman, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui, ce jus est trop bon! Oh, c'est vide! Il faut que j'aille en chercher un autre. On y va, maman? D'accord, mais vite! Ah, que c'est bon de pouvoir se poser et se détendre. Il ne reste vraiment plus une goutte. Je l'aurais bien goûté. Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai de l'eau. C'est nul, l'eau. Oh, d'accord. Je sais. J'ai du sirop de fraise. Je vais en verser un peu dans ma bouteille d'eau. Il ne faut pas qu'Annie voie ce que je fais. Ça devrait être bon comme ça. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de jus. Oh, j'aurais essayé. La vie est si cruelle. Attends, je crois savoir quoi faire. Je peux prendre cette brique de jus. Je vais la couper en deux. Et je vais mettre l'eau à l'intérieur. Annie ne se rendra compte de rien. Pas mal, ça fait illusion. Annie, c'est pour toi. C'est vrai? C'est trop bon. Merci, maman. Avec plaisir, chérie. Waouh! J'adore aller au parc, c'est génial! Oui, le temps est idéal aujourd'hui. Parfait pour une journée au parc. Tiens, comme tu as été bien sage, je t'ai pris une petite sucrerie. Youpi, une sucette! Merci, maman! Je peux aller jouer? D'accord, amuse-toi bien. Mais fais attention, d'accord? Bon, par où commencer? Oh non! Une abeille! Va-t'en! Elle veut me voler ma sucette! C'est pas pour toi! C'est pas pour les abeilles, ça! C'est ma sucette à moi! Oh non, elle veut m'attaquer! Au secours! Ah! Va-t'en, méchante abeille! Ah! À l'aide! Je vais t'avoir! Tu ne perds rien pour attendre! Oh non! Ouf, j'en peux plus! Les abeilles sont trop rapides, mais je le suis encore plus! Aïe! Mon doigt! Hey, salut! Ah! Oh non, maman! Oh, ma pauvre petite chérie! Maman, j'ai une écharpe dans le doigt! Ne t'inquiète pas, je vais l'enlever. Aïe! Oui, non, ça fait trop mal! Oh là là! Bon, attends, je vais voir ce que j'ai dans mon sac. Voyons voir, un papier bof et des pièces pas terribles. Comment faire? Oh, j'ai une idée, je vais me servir des pièces! Ne bouge pas, ma chérie! Et voilà! Ah! Oh, ça y est, elle est partie? Où est-ce qu'elle est passée? Je viens juste de la retirer, regarde! Youpi! Merci, maman, t'es vraiment la meilleure! Ah! L'abeille est de retour! Cours! Ah! Génial! Cette petite fête se présente bien! Tout est parfaitement décoré! C'est si mignon! Il ne me reste plus qu'à désempiler ces verres! Coucou, maman! Oh, du soda et des chips! Génial! J'ai tellement faim! Oh, il y a du chocolat au frigo! Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? On dirait un petit mot. Oh, ce chocolat est réservé pour la fête! Ce n'est pas juste! J'imagine que je vais devoir trouver autre chose à manger! Oh, ça aussi, c'est pour la fête! Même la confiture! Peut-être que cet œuf? Aussi? Pourquoi manger des œufs à une fête? Tout dans le frigo est réservé pour la fête! Oh, il y a de la pizza ici, et elle n'est pas étiquetée. Miam! La pizza, c'est un de mes plats préférés. Elle a l'air tellement bonne. Waouh! Regardez tous ces pepperoni. Oh! Non, cette pizza est pour la fête, pas touche. Mais maman, allez, j'ai trop faim! Oh, je vais finir par mourir de faim. Et pendant ce temps, elle téléphone tranquille. Puisqu'elle a le dos tourné, je vais en prendre une part. Une toute petite part, ça ne se verra pas. Je vais la couper dans un sens, comme ça, puis dans l'autre. D'un bout à l'autre, oh, comme elle sent bon!
Ensuite, je vais la redécouper comme la première fois. Comme ça, je peux prendre ce morceau. Miam! C'est l'heure de la pizza! Je vais prendre une deuxième part. Je parie qu'elle sera aussi bonne que la première. Oh oh! Maman va me voir! Oh non! Elle arrive! Vite! Il faut que je couvre mes traces! Chérie, qu'est-ce que tu fais avec cette pizza? J'allais simplement la découper pour la fête. Oh, je vois. C'est une bonne idée. Merci pour ton aide. Il faut que je mette de nouveaux selfies sur ma page. Oui, le cours est terminé. C'est le moment de jeter un œil à mes réseaux sociaux. Waouh, elle a un bel ordinateur. Alors que je n'ai que ce vieux truc qui appartenait à mon père, le roi. Oh, il ne fonctionne même plus! Ouh, ça doit être dur d'être une princesse fauchée. Pas grave, je vais juste le soutenir comme ça. Ça ne sert à rien. Attends un instant, je pense que ça va marcher. Je vais juste prendre ce cadre. Il a son pied pour le maintenir debout. Hé, regarde ce que j'ai fait. Dis donc! J'espère que la misère n'est pas contagieuse. Piou, piou! Oh non, un dinosaure! Waouh! Achoum! Achoum! Oh non, j'arrive, fiston! Achoum! Oh, mon pauvre chéri! Tu vas bien, mon poussin? Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand? Je suis malade, maman! Il faut que tu restes au chaud. Tiens, ça devrait te faire du bien. Tu dois prendre des médicaments. Te sentiras mieux avec ça. Ouvre grand la bouche. Non, je n'en veux pas. Il faut que tu les prennes. Chérie, fais quelque chose. Je sais. Tiens, prends cette sucette. Ha! Je t'ai eu. Tu l'auras quand tu auras pris tes médicaments. Allez. Oh, ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas prendre les médicaments. Là, ça devient compliqué. Oh, attends, j'ai une idée. Mon soda. On ne peut pas lui donner du soda. Attends de voir à quoi je pense. Découpe un clapet dans une canette de soda vide. Attention aux doigts. Ça devrait être assez grand. Ouvre le clapet et insère le flacon de médicaments à l'intérieur de la canette. Ensuite, je vais mettre une paille dans le flacon. Et je referme le clapet. Plutôt malin, non? Chut! Ce n'est pas vraiment du soda! Très habile, très habile! Hé Noah, tu veux du soda? Oh oui, je veux bien, s'il te plaît! C'est bon! Bon garçon! Tu vas vite te sentir mieux! Tu entends ça, fiston? Waouh! Ce soda est trop bon! Je ne me sens plus malade! Je vais prendre cette bague, s'il vous plaît! Waouh! Ce bijou est trop beau! Je n'ose même pas imaginer à quoi il ressemble! Oh! Je vois! Je me demande si je peux l'aider! Oh ouais! Hé! J'ai une surprise pour toi! Cette fleur me fait penser à toi! Oh! C'est trop mignon! Et j'ai aussi cette bague pour toi! Oh mon Dieu! J'y crois pas! Ok, je suis prête! Ok, ça arrive! Voilà! C'est un rêve qui devient réalité! Je dois prendre quelques photos! Tu es vraiment le meilleur! Ok, doucement, doucement! Ah! Je vais retirer cette stupide bague. Ah, il n'y a rien d'intéressant à la télé. Oh, c'est quoi ça? Oh mon Dieu, il me les faut! Tu les vois? Je les veux. Qu'est-ce que tu attends? Tout de suite. Hein? Qui êtes-vous? Oh, très bien. Prenez-les donc. Et voici, mademoiselle. Oui! Je les aime tellement! Toi, tu vas dans la poubelle. Hein?
Attends une seconde. C'est pas vrai. J'y crois pas. Regarde-les. Elles sont magnifiques. Et non, tu les veux. Tu vas devoir payer. Oh, d'accord. J'ai ça, c'est suffisant. Super, merci, ouais. Attends, il y a quoi au niveau de l'orteil? Pas de soucis, je peux régler ça. Voyons voir où est-il. Ah, voici le marqueur dont j'ai besoin. Il est temps de camoufler l'usure. Ça fonctionne parfaitement. Waouh, elles sont comme neuves. Quelle chance j'ai eue avec ces chaussures. Et ensuite, elle a aussi totalement raté le test. Pas possible. Où les as-tu trouvées? Quoi? Tu es riche maintenant ou quoi? Mes pieds doivent juste se reposer un petit peu. Et je dois réparer ces lanières. Hein? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je sais pas. Elle est très étrange. Partons d'ici. Qu'est-ce que... Où vont-ils? Allez, je suis prête pour cette journée d'école. Voilà le bon cahier. Oh, salut! Prête pour aller en cours? Mes affaires, s'il vous plaît. Oui, j'en ai un pour chaque cours. Partez, s'il vous plaît. Je n'ai plus besoin de vous pour l'instant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh oui, bien sûr. On est en cours de maths. Voilà l'ordi dont j'ai besoin. Quoi? Batterie faible? Bien fait. Les cahiers et les stylos n'ont pas besoin de batterie. Oui, bon. Mince, elle a raison. Qu'est-ce que je vais faire? Écoute, tiens, prends une feuille de mon cahier. Oh, oui, merci. Et voilà un crayon. J'arrange un peu mes ongles. Waouh, je suis une tornade. Je tourne sur moi-même. Je vais t'aspirer, maman. Je suis une tornade géante. Oh, Lizzie, arrête. Cesse de courir dans tous les sens. Approche, viens t'asseoir à ton bureau. Tiens, voilà de quoi dessiner. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un joli dessin? Enfin, un peu de calme. Je vais pouvoir me concentrer. Mais... qu'est-ce qu'elle a sur le visage? Oh, c'est pas vrai! Elle en a encore de partout! Bon, il me reste plus qu'à lui retirer ça maintenant. Lizzie, qu'est-ce que tu fabriques? Miam! Mais maman, j'ai besoin de jaune pour mon dessin! J'arrive pas à croire qu'elle arrive à faire autant de bazar en si peu de temps! Et si elle continue comme ça, elle va me rendre chèvre! Qu'est-ce que je peux faire? Oh, des Skittles! Je crois que j'ai une idée! Peut-être que je peux utiliser ce bac à glaçons avec les bonbons? Je commence par remplir le bac à glaçons de bonbons. Par couleur, évidemment. Puis j'ajoute un peu d'eau. Et voilà! Oh, le colorant se diffuse déjà dans l'eau. L'eau commence à prendre la couleur des bonbons. Maintenant, je vais enlever les bonbons et mettre le bac au congèle. Lizzie, ma puce, j'ai une surprise pour toi. Oh, c'est joli! Et en plus, c'est bon! Je vais m'en servir pour terminer mon dessin. Oh, mon bébé, tu es une véritable artiste. Je suis comblée. Merci beaucoup, Lizzie, c'est magnifique. C'est tellement triste. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est cette histoire. Elle me brise le cœur. Oh, ma puce. Burke, ne mange pas tes ongles. C'est vrai, tu as raison. Désolée. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Stacy, qu'est-ce que je viens de te dire? J'espère que la fin de l'histoire est joyeuse. Il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter. Je crois que j'ai une idée. Découpe un cercle dans un morceau de mousse. Puis passe-le dans un lisseur. Place la mousse sur une surface trouée. Ensuite, tu auras besoin d'une bille. Pousse la mousse à l'aide de la bille pour l'incurver légèrement. Voilà, comme ça. Retire la mousse du trou. Découpe des trous dans un grand disque de mousse et place les petits morceaux incurvés sur le dessus. Ensuite, tu auras besoin de colle. Applique une fine couche de colle autour du disque. Une fois que c'est fait, placez un autre morceau de mousse par-dessus, avec des trous de même disposition. Ajoute un peu de mousse colorée tout autour et répète l'opération. Ça devrait aider Stacy à s'occuper les mains. Hé, Stacy? Oui?
c'est pour moi? Oh, maman, c'est génial! Merci! Je ne veux plus te voir te ronger les ongles. Ce livre est très intéressant. Waouh, je ne savais pas ça. Ça va vraiment être de la tarte. C'est tellement évident. Il faut que j'y aille. Oh non. Ouh, ne vous inquiétez pas, les renforts arrivent. S'il y a bien quelque chose que je déteste, ce sont les criminels. Hé, toi, lâche ça. Repose ces billets immédiatement. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. On me l'a déjà faite, celle-là. Désolée pour le retard, je me faisais une manucure. Tiens, voilà pour toi. Waouh, super. Je devrais voler plus souvent. Hein? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? On dirait que mon travail ici est terminé. Qu'est-ce que... Où suis-je? Est-ce qu'on va faire les magasins? Génial, je suis trop contente. Waouh, regarde, ces accessoires sont hyper tendance. Waouh, j'ai toujours rêvé d'avoir des griffes. C'est ça, oui. Ce serait génial. Quoi? Combien? Vous avez vu ça? Il faudrait que je braque une banque. Oh, j'aime beaucoup le style. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sympa. Je pense que ça m'irait bien. Je vais l'essayer. Oh, qu'est-ce qu'elle m'agace parfois. Hé, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où suis-je? Ne t'inquiète pas. Hein? Oh, j'ai toujours adoré ce costume. Je reviens tout de suite. Oh, j'adore. Waouh. Salut toi. Comment tu me trouves? Magnifique. Je te laisse me sauver la vie quand tu veux. Oh, qu'est-ce que tu es mignon. Oui, je sais, je suis ravissante. Pardon? Je te jure, tu es splendide. Je pourrais savoir ce qui se passe ici. Oh, marche, je dois y aller. Oh, oh, c'est mon costume. Je crois que ça ne fonctionne pas. Tu vas me le payer. Oh! Allez! Hé, hey, doucement, calme-toi. Oh, où est-ce qu'elle est passée? Oh! Bien, il est temps de te laver la tête. Coucou, petit canard, j'adore prendre le bain. Un petit peu de shampoing. Coin, coin, c'est trop rigolo. Oh, mes yeux! Oh non, pardon, Alex, comment je vais faire? J'ai tellement mal! Attends, j'ai trouvé ma casquette. J'ai découpé la partie supérieure. Maintenant, c'est une visière, ça devrait être mieux. Wow, je l'adore, maman. Maintenant, je vais avoir des cheveux propres et soyeux et je pourrai voir. Ducky aussi est content. J'en suis ravie. Je pourrais jouer avec ce papy toute la journée. Oh, attends, il y a encore le bouchon. Oh, oh, c'est pas bon signe. Papa, je crois qu'on a un problème. Quoi? Qu'est-ce que t'attends? Allez, allez, on y va. Ne t'en fais pas, ça va aller. Qu'est-ce que... un peu d'intimité, merci. Faites ce que vous avez à faire. Arrête de me secouer dans tous les sens. Un instant, il faut que je reprenne mon souffle. Je suis plus aussi en forme qu'avant. Wow, ça en fait des marches. On devrait installer un ascenseur. Plus vite, papa! C'est parti! Combien est-ce que tu pèses? Ôte-toi de mon chemin! On y est, ma chérie. Ouf, juste à temps. Je ferme les yeux. Oh, c'est trop froid. Je descends. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause des toilettes, regarde! C'est problématique. Attends une minute. Je peux me servir de ton pop-it. D'abord, il faut que je retire les bulles. Oh, c'est satisfaisant. Ensuite, je les colle sur les toilettes. Wow, c'est tellement coloré. Et ça évitera que tu ne touches la lunette froide des toilettes. Et si on ajoutait un cœur? Wow, c'est super. Et voilà, c'est prêt. Qu'est-ce que t'en penses, Gabi? Wow, j'adore. C'est parti! J'ai hâte de l'essayer. Papa? Pardon, chérie. C'est tellement confortable. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu as mangé? Gabi, t'as terminé? C'est trop drôle! Au moins, ça permet de passer le temps. Merci, papa! Ravie d'avoir pu t'aider. Je veux que tu t'occupes de Gabi pendant notre absence. Veillez sur Gabi, bien sûr. Et pas de bêtises. C'est génial. Pas trop fort. Attends, mon téléphone sonne. Ouch.
Arrête, Gabi, je vais vomir. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis épuisée. C'est nul. Je m'amusais plus en jouant avec Alex. Enfin, je vais pouvoir me détendre. Oh, je préfère ça. Trop beau. J'aimerais avoir des tatouages moi aussi, mais j'ai pas d'argent. Une seconde, je sais. Voilà ce qu'il me faut. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aiguilles. C'est assez joli. Je suis magnifique. Hé, Alex, regarde-moi. Hein? Qu'est-ce que... C'est génial, hein? Je suis comme toi. J'ai jamais été aussi heureuse. On est des copains de tatouage. Je me suis jamais sentie aussi vivante. C'est plutôt cool, hein? Oh oh! Maman et papa sont rentrés. Ils sont en avance. Oh non, il faut te débarbouiller. Mais mes tatouages, je viens de les faire. Il faut surtout pas qu'ils te voient comme ça. Je dois faire quelque chose et vite. Ne bouge pas, je vais mettre du scotch sur le tatouage, puis le retirer tout doucement. Oh non, s'il te plaît, Alex, fais pas ça. Regarde, le tatouage s'en va. Même pas besoin de frotter. C'est facile et rapide. Ça marche à merveille. Ça chatouille un peu. Plus que le dernier. Juste à temps. Ouf, quel soulagement. Mais j'aimais bien mes tatouages. C'est pas juste. Quelle journée! Oh, coucou les enfants! Hé, mais où sont passés tes tatouages? Oh ouais, je vais te dire un secret. C'était des faux. T'es trop nul. On dirait que vous vous êtes bien amusé. Debout, debout, mon petit poussin. Oh, salut maman. C'est déjà le matin? Allez, il faut te lever. Maman, tu es là? C'est l'heure de te laver les dents. Oh, je déteste ça. Personne n'apprécie la laine du matin. Je veux pas. Pas de discussion, jeune homme. Brosse-toi les dents. Non, je le ferai pas. Allez, prends la brosse à dents. Oh, bon, d'accord, mais j'ai pas envie. C'est trop nul. Et que ça brille. Alex, je n'entends pas le bruit du brossage. Oh, ça vient, maman. Je te surveille. Ouais, ouais, c'est ça. Ouf, elle est partie. Pas question que je m'inflige ça. Qu'est-ce qui lui prend si longtemps? Je vais aller voir ce qu'il se passe. Alex, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? La salle de bain est dégoûtante. Il y a du dentifrice partout. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que tu as fait? Oh oh. Donne-moi ça. Je suis très en colère. Attends, ça me donne une idée. Je crois que je sais quoi faire. Je vais utiliser le pop-it pour qu'Alex se lave les dents. D'abord, il me faut du dentifrice. Je mets du dentifrice dans chaque bulle. Pas besoin de beaucoup. Ça devrait suffire. Ensuite, je le saupoudre de bicarbonate de soude. Ça va faire durcir le dentifrice. Bien, Alex, prends ça. Où est le dentifrice? Un instant, j'ai une petite surprise pour toi. Regarde un peu. Tu veux essayer? Waouh, on dirait des bonbons. Ça a l'air bon. Oh, c'est à la menthe. Génial. Mes dents sont toutes propres. Je m'ennuie. J'aimerais bien avoir un truc sympa à faire. Je sais comment remonter le moral de Gabi. Allez, suis-moi. Oh, salut, pa. Quoi de neuf? J'ai un jeu amusant. Tu dois deviner le mot secret à partir de ces deux indices. D'accord. Il y a un microscope et un téléphone. Attends, j'ai trouvé. C'est un microphone. Wouhou, ouais. Oui, bien joué. Et j'en ai un juste là. T'es une championne. Oh yeah. La 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 la. J'ai une super idée. Un karaoké? Allons-y. C'est tellement amusant. Oh yeah, hop hop, c'est parti. Non, où est passé mon courriel? Je voulais pas envoyer cette photo à mon patron. Papa, tu veux faire un jeu? Oh, j'adorerais, mais je dois travailler. Allez, ça va être marrant. Devine le mot. Gabi, je suis occupée. S'il te plaît, papa. Bon, mais juste un, alors. T'es le meilleur. Tu penses que c'est quoi? On dirait une de mes ex-copines. Je sais, c'est un monster truck. Gagné! Voici ta récompense. Oh, waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Regarde-moi ça, quelle merveille! Viens, on va jouer avec! J'en ai une, moi aussi! Vroom, vroom! C'est beaucoup plus sympa que le boulot!
T'as vu cette cascade? Je vais te border, d'accord? Merci, papa. C'est l'heure de faire dodo. Bonne nuit, chérie. À demain matin. Bonne nuit, papa. Attends, c'était quoi? Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose. Eh oh, il y a quelqu'un? Oh, c'est juste le vent. Je vais aller fermer la fenêtre. Ça devrait s'arrêter. Maintenant, je peux retourner me coucher. Je pensais que c'était un monstre ou un truc qui fait peur. C'était tellement idiot. Hein? C'était quoi, ça? C'est clairement pas le vent. C'est un monstre! C'est horrible! Ah! Papa, à l'aide! Gabi, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ne t'inquiète pas, je suis là. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un horrible monstre! Il n'y a rien, fais-moi confiance. Oh, j'ai dû l'imaginer, alors. Merci, papa. Je vais juste éteindre la lumière. Non, pas la lumière, j'ai peur du noir! Mais, d'accord, laisse-moi réfléchir. Je dois pouvoir faire quelque chose. Je crois que j'ai trouvé. J'ai seulement besoin de ça. Ça va être super. D'abord, j'ai besoin d'une feuille de papier vierge. Ensuite, je vais découper des étoiles. Après ça, je prends cette torche. Ça va projeter les étoiles sur le mur. C'est joli, hein? J'adore! Je vais la mettre juste là. Voilà, tu as une veilleuse. Waouh, je vais dormir à la belle étoile. C'est incroyable. C'est magique. Et je suis sûre qu'il n'y a pas de monstre. Cette fois, je vais pouvoir dormir. Merci, papa. C'est ce que font les papas. Ça fait partie du job. Quand on est parent, on a besoin de toute l'aide possible. C'est pourquoi nous avons trouvé ces trucs et astuces incroyables pour te simplifier la vie. Quelles sont les activités amusantes que font tes parents? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et t'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos amusantes comme celle-ci.